Dans ce cours, nous allons voir comment créer différents liens entre les pages de notre site web. Alors, j'ai légèrement modifié la page de notre site avec la présentation. Et là, on dit voici une petite liste de nos cours et nous avons quelques cours à présenter. Il faut savoir que la page index est la page d'accueil. Donc, il faut donner la possibilité aux visiteurs de pouvoir aller sur, par exemple, la page correspondant au HTML. Donc, première des choses, nous allons faire une nouvelle page. On clique soit sur ce petit icône, soit File New, comme nous l'avons fait. Donc là, on clique sur le petit icône. Alors, il faut faire attention de pas. Lorsqu'on clique sur le petit icône, il faut plutôt sélectionner. Enfin, il faut sélectionner la fenêtre d'en haut. Comme ça vous créera le nouveau fichier ici et pas dans le navigateur. On va recopier le code de la page. CTRL C, CTRL V, et on va supprimer le contenu. Tout ce qui se trouve entre les balises body. Et on garde le code source minimal de la page. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, comme vous le voyez, notre page n'est pas colorée. On va l'enregistrer, et là, on va par exemple l'appeler cours HTML.html. Et là, comme on a renommé notre page en HTML, le code s'est automatiquement coloré. On peut écrire une balise H1. On dit au visiteur qu'il est bien arrivé sur la page concernant le cours de HTML. Bienvenue sur cette page. Concernant. Destiné au cours de HTML. Tac. Et après, en dessous, on peut écrire le contenu de notre page. Voilà. Donc là, nous avons notre deuxième page. Ce qu'on va faire pour que vous puissiez avoir plusieurs exemples ou plusieurs problèmes que vous allez rencontrer, on va encore créer une nouvelle page. Et cette fois-ci, on va encore coller le. Copier le code source. Bienvenue sur cette page destinée au cours de création de jeux 3D avec Unity 3D. Contenu de la page. Ok, donc on va enregistrer cette page, mais cette fois-ci, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler autre page. Tac, on ouvre et on va enregistrer cette page unity.html. Et nous allons maintenant utiliser des liens, créer des liens pour que lorsque le visiteur clique sur le mot HTML, il soit redirigé vers la page HTML. S'il clique sur le mot Unity, il sera redirigé vers le cours sur Unity et ainsi de suite. Pour créer un lien, on utilise les balises A. C'est une balise auto-fermante. Alors, comment les utiliser? Eh bien, on se place avant le mot HTML. On écrit la balise A. On la referme. Après, nous avons. Non, on ne la referme pas. On ouvre la balise A. Après, on marque href. Alors, href est un attribut. Cet attribut nous permettra de donner le nom de la page que nous voulons ouvrir. Donc href sera égal, on remarque égal, et puis entre les guillemets, on va marquer le nom de notre page. Donc en l'occurrence, la page correspondant au cours de HTML, c'est la page qui s'appelle cours HTML. Point HTML. Voilà. Donc là, on a marqué le nom de la page qui doit être ouverte. On referme la balise. Après, une fois que la balise est refermée, on doit laisser le mot qui sera coloré en bleu. Et bien le visiteur devra cliquer sur ce mot pour arriver à la nouvelle page. Et après ce mot, on referme la balise A. Et maintenant, lorsque le visiteur cliquera sur le mot HTML qui s'est coloré,
eh bien, il sera redirigé vers la page cours de HTML. Maintenant, comment faire pour aller sur la page de Unity 3D? Puisque notre page HTML concernant le cours de HTML se trouve juste à côté de la page index. En revanche, notre page Unity se trouve dans un autre dossier. Eh bien, pour accéder à cette page, nous allons utiliser la même commande. On copie et on colle. Tac. Seulement, au lieu de mettre tout comme ça le code, on va marquer le nom du dossier, donc autre cours. On fait un slash, et puis là, on marque le nom de la page. Donc la page s'appelle unity.html. Alors pour éviter tous les petits soucis que l'on peut rencontrer, il vaut mieux éviter d'utiliser des espaces dans les titres. Donc autre cours, on va le coller en mettant le C en majuscule. Autre cours. Et puis on va aussi le renommer dans notre dossier. Autre cours. Tac. OK. Et maintenant, on enregistre et on regarde Unity 3D s'est coloré et si on clique dessus, on est redirigé vers la page de Unity qui est eh bien dans le dossier Autre cours. Voilà, donc là nous avons réussi à créer des liens entre les pages et même à naviguer à l'intérieur des dossiers. Et puis vous pouvez avoir autant de dossiers que vous voulez. Vous avez simplement à rajouter des slashes et à naviguer dans tous les dossiers ou les sous-dossiers que vous avez créés. Ce que vous pouvez faire aussi pour aiguiller vos visiteurs, c'est marquer donc dans la balise A href après. Tac. Voilà, donc après les guillemets, on fait espace, on marque title égale. Et puis, entre guillemets, on va donner une petite indication. Donc, à quoi correspond le HTML? Eh bien, au cours de HTML. On enregistre. On regarde ce qui se passe. Lorsqu'on se déplace sur HTML, on voit que une infobulle cours de HTML s'est ouverte. Voilà. Donc là, grâce à ça, vous pourrez donner la possibilité aux visiteurs de pouvoir naviguer sur tout votre site. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer un autre type de lien qui sont les liens absolus. Par exemple, vous pouvez écrire, on ouvre une balise, a href égale, et entre guillemets, vous mettez http deux points slash slash mon super site point com. Vous fermez la balise. Ensuite, vous mettez un petit message, par exemple, venez voir mon site, et vous refermez la balise A, tac. Et donc, lorsqu'on enregistre, le visiteur verra venez voir mon site, et lorsqu'il cliquera sur venez voir mon site, il atterrira sur la page http de point slash slash mon super site.com. Enfin, je vais vous montrer un dernier type de lien que vous pouvez utiliser, c'est un lien qui permettra à votre visiteur de vous envoyer un email. Vous ouvrez le chevron, vous marquez A, href, égale, on ouvre les guillemets, et on va utiliser une fonction qui s'appelle mail to, donc écrire A, deux points, et là vous mettez votre adresse mail, @truc.com. Ensuite, vous fermez le chevron, vous marquez envoyez-moi un mail, vous fermez la balise A, tac, on enregistre, et on va faire un retour à la ligne, tac. Lorsque le visiteur cliquera sur envoyez-moi un email,
eh bien, votre client de messagerie s'ouvrira pour pouvoir envoyer un email à la personne en question. Donc maintenant que nous savons créer des liens entre les pages et pouvoir donner la possibilité à votre visiteur de communiquer avec vous, on fera dans le cours suivant, on apprendra à insérer des images dans notre page web afin de la rendre plus attractive.